Notre opération, une semaine pour l'emploi en partenariat avec Pôle emploi. De plus en plus de citadins souhaitent gagner le bord de mer depuis la crise sanitaire. Le Calvados tente donc de les attirer en venant directement à leur contact, grâce à ce salon par exemple, organisé la semaine dernière dans le premier arrondissement. En fait, avec mon compagnon, on cherche à quitter Paris. Après 10 ans passés dans la capitale, Audrey veut changer d'horizon en restant si possible dans la communication digitale. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut changer de ville avec mon compagnon. Et donc, la Normandie, pourquoi pas ? On l'aime personnellement pour les week-ends et on adore la mer. À sa disposition ce jour-là, une trentaine d'entreprises ont fait le déplacement avec le même message, la Normandie recrute. Aujourd'hui, on a à peu près 15 000 offres d'emploi dans le département du Calvados et de la Manche qui sont à pourvoir. L'idée, c'est de le faire savoir, mais aussi de faire en sorte que les gens arrivent dans une entreprise et y restent. À Caen, avec la reprise économique, de nombreuses sociétés embauchent plus que prévu. C'est le cas pour cette grande entreprise de distribution. On a 80 postes à pourvoir, des métiers commerciaux, les métiers logistiques, les métiers de l'informatique, les métiers support, autres, RH et autres. Mathieu a rejoint l'équipe il y a tout juste un mois comme conseiller clientèle avec un nouvel équilibre de vie. J'arrive à faire des activités, donc typiquement aller à la mer, profiter du centre-ville, aller courir, faire des activités en forêt. En termes de travail, j'ai le plaisir. Quand je suis dehors, j'ai beaucoup moins de stress.